fin de saison 1, Charlène avait rejoint Romain en cuisine, qui était devenu donc le chef du Paris, pour être son second et être entièrement avec lui. Waouh, c'est sublime. Ça va pas avec tout, par contre. Et voilà, t'as saisi le problème. Et donc ? Et donc, homard poché, chutney de mangue et beurre de piment oiseau. C'est super, ça. Elle veut trop être dans le contrôle, tout le temps. Elle est très perfectionniste, elle lâche pas ses prises. Elle a une vraie force en elle, une grosse détermination, un rapport avec les hommes assez clair, et parce qu'elle est obligée d'apprendre à se comporter comme un mec. Et elle va avoir des opportunités pour vraiment se dire « Ok, là c'est à moi de diriger le truc, j'y vais, je crois en moi. » Yann, qui était un personnage très noir, dans la saison 1, là, on découvre ses failles et du coup, il en devient très attachant. Il va vraiment la surprendre et la désarçonner et on va avoir une relation très intéressante quoi, entre Yann et Charlène. Pas que j'en dise trop. Je suis content, on va faire une bonne équipe. Elle admire le chef pour ce qu'il est professionnellement. Il y a des choses qui font que humainement, elle le juge quoi. Mais dans la saison 2, ils sont très peu ensemble. Un vrai silence, s'il vous plaît. J'ai fait un service entier avec David Toutain. On avait des recettes très précises à faire. Par exemple, pour la saison 1, j'avais le tartare de langoustine avec les lamelles d'avocat et tout. Je m'étais même entraînée à le faire à toute ma famille. On a mangé à 17h, mais bon, c'était bon. J'ai appris quelques recettes et en fait j'ai plus progressé en déco, en cuisine, parce que je cuisinais déjà beaucoup, mais par contre c'était pas beau, donc j'ai appris à ce que ce soit beau. Après on va dire ma spécialité, c'est la mousse au chocolat.